Testing. Testing. Et lui, il va aider à expliquer si la question n'est pas claire. Okay. Je vais m'asseoir. Ibn Ahmad. Ibn Ahmad. Ibn Hamid. Ibn Saïd. Ibn Saïd. Ibn Jai. Ibn Jai. Ibn Araf. Ibn Araf. Ibn Yaladi. Ibn Yaladi. Ibn Ali. Ibn Ali. Ibn Ali. Ali. Mokhtar Ali. Ibn Araf Ali. Samba Ali, Mokhtar Samba Djibri, Saïd Ousmane, Saïd Ousmane Djibri Chaufman. C'est une généalogie. Are you recording that? Mustafa Ali Masire Adam il Masire Djibril Chaufmar Mustafa il Masire Neymane Djibril Neymane Mustafa Mamadou Mustafa Djibril Aïssa Mustafa Aïssa Mustafa Djibril Neymane des côtés du côté maternel du côté paternel descendant direct de Chaufmar. So he is directly descended from both sides, the mom's side and the father's side, directly descended from Adam. Bangal Neymane ni ma non wiete ko Jeynab Hammat ni ma jibil dum ko Hammat ni ma non tanda on en tanda Aisha e Fatima tanda Aisha e Adam Aisha ni ma non jidiu may baba ni ma non Adam Aisha jibil Cheikh Omar tanda Aisha jibil Hammat tanda Hammat tanda jibil ni non inshallah legui moni be Elhadji Omar futu en français pour que lui puisse comprendre donc Oui, non, vous pouvez aller en français ici. Okay. Ah, donc, dès le début de, disons, de la prédication, est-ce qu'il a commencé ici à avoir des talibés avant de commencer, avant de prêcher le djihad? Oui, il y a des djihad. Lui, Elhadji Omar Fouti, quand il était sorti, il est revenu avec des talibés. Il est revenu avec des talibés. Nous manon ko en wona duubi nay manon sappo wala sappo e kelka nay manon de ummiti makka non o arti ha nay manon o artiraani do direct o arti fuuti jalo o arti fuuti jalo o won ton anani manon haa dañi ton almu do ummiti ton almu be o arde men do temedde tato e sappo e tato almudu o addi dum do yoga hen kambe fo anani ko adde de gande de fof anani manon hen temedde tato e sappo e tato yam nay manon hafiz qur'an mais quand vous devez mettre le billet de l'échelle vous voyez nani manan chehalwar ko boy ne maabe diwan he foko do abare ne ubbete sababunde barki norade nani man almu be cheikh omar mayno beedo quand il est parti à la Mecque il commence quand il est parti à la Mecque et quand au retour il a passé par le foot jalon arrivé au foot jalon il a eu là-bas beaucoup de talibés. Le nombre estimable à 313 talibés. 313 talibés qui détenaient la sagesse al-Quran al-Karim. Ils avaient tous mémorisé le Saint-Coran.
Il est revenu avec ses 313 talibés. Bon, c'est ici qu'ils sont, ils ont pris la mort à tous. Ici et à Alwar, et on les a enterrés au cimetière d'Alwar. C'est pourquoi notre tradition, tous les villages environnants, quand les étudiants ont mort, on les ramène dans le cimetière d'Alwar pour le baraka qui existe dans ce cimetière avec les 313 talibés doués du Coran pour partager avec eux le cimetière. Le marabout qui lui a enseigné, lorsqu'il a posé la question, que signifie Ba, que signifie Si, que signifie Mim. Ça c'est l'histoire, c'est lui l'histoire. Qui m'a donné l'histoire. C'est lui qui m'a dit l'histoire. Ouais, ouais. C'est lui mais il a dit que l'histoire. Moi je ne connaissais pas c'est, ça. C'est lui que c'est à la Mecque qu'on lui posait des questions sur, la... la liturgie, sur la religion d'une manière générale. On lui dit, on voudrait savoir la signification de Ba, Si, Mimara. Mais je lui dis que j'ai entendu dans la tradition orale comarienne que lorsqu'il avait 7 ans environ, son premier marabout lui a dit Kul, Ba, Si, Mimara. Mais il lui a demandé, Cheikh Omar lui a demandé, que signifie Ba? Que signifie Si? Que signifie Mim? Le marabout ne savait pas. Donc, on peut dire, El Hadj Omar connaissait plus, avait plus de connaissances mystiques que son marabout. Donc on voulait avoir des confirmations. Est-ce que c'est réel dans la tradition omarienne? Comment ça s'est passé? Oui, Aveneni. Kanko Odo, Chris, Onko Halmi Behen. Wande, Ndouihide Maka. Avenam notre nombre ton, Kishonga Ibiko Fati, Djangde. Ba kofiraha, sin kofiraha, mim kofiraha. Awo ajabi beton. Ender room, viam ender room ene red foot to idi to na ene jangde. De oye hinde ande sharon mako hinde nimo ba ubi dum ba kofiraha. De hinde nimo sin ubi dum sin kofiraha. Mim holko mim firaha. Bede room on iswar ene wood so omu wood holno yai. Eh, on iswar de, dene kam minnan umtam ko ene pi. Njan uni winda. Comme non, yajikam. Ni mana hunde non so halama yajisan tar ko gong. Ni mana so al ora gong. Ni mana mawan hen ko firti. Ni mana amma non. Ni mana won hen anti tare ko hew jesi. Won hen biro ko nanimo jangde ko kaw makko. Ni ye eliman giraham mat. Ko on nanimo jangde. Ni mana holko ba firata holko sin firata holko ni firata ha gasi ni mana o hala nibe ben biyato ko ganda ni mana so en bi ganda non ko wiya ni mana ba fitti ko nangam ni mana gede di Allah tagi ni mana gede didi jamma e nyalaw task ni mana bi beto ko ba fitti jamma e nyalaw ni mana be bi sin firtata ko anani mana ko ni manan asmauji di jeedi e leedel de jeedi mim o firtara nani manan ko nani manan ko nyuuji nay fu nange rewoy wargo e gidel fof wonno firti dum ton nani manan kambe jangube tarikh abe bind nani manan firon gonno lelori to e ko dum don kam koy nande tan nani manan no wawi suddude way wasa suddude nani manan kawma ko beeta do ilman gira ha maro non kam wiyama kanyum nani mo ba kanyum jangirim nani man ha to woddoyno caggal dum o wattini koy ba makko caggal dum nani tajwid qur'an jangi dum koy mawnira do e ko ni kam ni woni yaari mawni ko kono de se da faama da faamu e man ko baro qur'an ko baro qur'an baari ko ni man rew e ko non kam d'après
ce qu'il a entendu. Bon, l'histoire sur le bas, sur Nîmes, il n'a rien vu où ça a été écrit. Mais les griots et les orateurs racontent que ça a eu un temps. Et là, je me refoutis. Quand il faisait ses premières études, lorsqu'il le bat, le signe, il a posé la question pour savoir ce que signifie bas, ce que signifie signe, ce que signifie mine. Il dit que la signification de bas, c'est Dieu n'a pas créé une seule chose, il est unique. Il y a toujours eu deux choses. La signification de signe, c'est les cieux et la terre. C'est ce qui couvre tout le monde. La signification de mime, les quatre points cardinaux. Le mime, ce sont les quatre points cardinaux. Le signe, c'est les cieux et la terre. Le signe, c'est les cieux et la terre. Le bas, c'est le bas, l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, il est unique. Il est unique. À part lui, il y a toujours eu un père. Donc, c'est quand on comprend un peu, c'est pour commencer. Le Coran, ça commence par bismi. Ce bismi-là, c'est le sens unique de la divinité. On peut le comprendre par l'éternité de Dieu. Et nous, ce que nous allons comprendre après, les quatre points cardinaux, les cieux, la terre et ce qui existe, le Père. C'est ce qu'il a. Après, ce sont ses études. Ses études. Son premier marabout, c'est Eliman Gira Ahmad, c'est son premier marabout. Après, il est revenu. C'est son oncle. Eliman Gira, c'est son oncle. C'est celui qui lui a donné la première signification de Basimir. Après, c'est son père. C'est quand il a mémorisé le Coran, après, c'est son grand frère, Alpha Ahmad. Pour bien mémoriser le Coran, les chartes, ce qui existe, pour bien manier la langue, le Coran, le tajwid coranique, c'est Alpha Ahmad, son grand frère. Après, il est sorti pour faire le pèlerinage et au retour, il a venu l'établir. Il y a 41 jours. Et les 41 jours qu'il a passé ici, dans la maison de retraite spirituelle, c'est le début de la guerre sainte ou pas? Oui, je suis venu à la maison de retraite spirituelle. J'ai dit que 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 j'ai Je suis venu à la maison. Ni mana umumnya sendu di sapa ijazah itu umumnya di bilad Arab umumnya ada ganda, ayo. Kalau umumnya sih soal non, wahariha Nigeria umumnya Nigeria dalam dua jenis, dalam dua jenis, kalau ada jangki pelangkir, kalau tahu orang saya harus manfaatnya, kalau ada jangki pelangkir, ni mana manfaatnya, ni mana dua jenis itu orang jangki pelangkir, orang wali hafiz girfu, ni mana dua fudi yau sudika, dua fudi nonton tu je. Minimal hasil kerja kami hari makuk, bateri ger hari makuk. Hari makuk ya, bateri ger hari makuk. Anon dia makuk do onyagi ham. Anon minimal entar halweh, balik cepat naik gede. Kudo onyagi hau cepat nak. Minimal do fudi jad. Anon minen. Kanti dia parti alamek. Il a fini son pèlerinage. Il a raconté le guide religieux Mohamedou Ghali. Il est resté avec lui, disons, une dizaine d'années. Après, il est passé au Nigeria, à peu près 7 ans.
C'est Ousmane Damfodjo. C'est là-bas qu'il a appris la stratégie de la guerre. Après, il est revenu en passant par le Fort Jalon avec les talibés. Et il est revenu ici tout en donnant les cours aux talibés, qu'il a passé les 41 jours pour demander aux tout-puissants de faire la djihad. Il a fait les 41 jours dans cette mosquée. C'est au retour de la Mecque avant la djihad. L'autorisation quoi. L'autorisation. Moi aussi, j'ai une question concernant les relations et la Somalie, Alpha Majorbele. Dans la tradition, à Gaï, on nous a dit qu'il y avait une délégation qui est allée. Lorsque Elhadj Omar a commencé la guerre, il a écrit une lettre de soutien à tous les musulmans, en particulier les Tidjanes, de venir les renforcer. Il y avait une délégation qui a quitté Gaïa pour aller les rencontrer à Oréfondé. Dans la délégation, il y avait Alpha Mayorbele qui était le plus petit. Je pense que Fawa Dibele, c'est la mère de la Malik. Il avait donné une paille comme cadeau à Alpha Mayorbele. Il transmet ça à mon madame. Et là, je m'en fous. Mais en cours de route, ils ont eu un problème. Ils ont monnayé le paille. Et quand ils sont arrivés, Cheikh Marfoudi a demandé le paille. Après, ils se sont posé des questions, ils ont retiré le paille, remettre l'argent et lui remettre. Après, Cheikh Marfoudi a écrit Ijaza pour dire que cette Ijaza est transmise à Malik. Vous n'êtes pas encore né. Il dit Alpha Mayor révélé. Ma sœur là qui est à Gaïa, Fawa Dibele, aura un fils, il s'appelle Malik. Quand il aura 18 ans, il faudra lui donner ce ijaza. C'est lui qui va continuer. C'est lui qui est devenu Malik. La mission. Malik. Ça c'est très intéressant. Donc, on sait est-ce que c'est authentique ou pas? Ou pas? Ça c'est une bonne question. Oui. Quand on connaît que Galélas Malik si aujourd'hui. On vous dit question où il n'a pas de haut et 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 kino bo wudere wi mo sa yi totna dum sharna mo o der yaadundu wodino sifori de bi jettino cheikh omar nami be o wudere de woni be ngaddi wudere de o wi won ko tottuno mo ijaza wonde so tawi o ruttima o ittu ijaza o ridde bi de malik so faaba so faaba do jibini yo hokkumo do ijaza so dañi do sappo jeetati mbede adum woti ma walla dum wodani Nanyi ini wujud, sebab mana pun dia salah berwindam. Tapi kalau wujud, nanyi mana sebelum, muncul ilmu cerna cermuntaga, muncul ni pun dia daftar makhluk yang sendiri aljawahir wadurah. Nanyi mana pun dia, cermuntaga aku witi agak syahumar. Nanyi mana halindi, tapi kalau wujud. Jadi setin istarel, arsa kerjaya muntaga dah. Amr Muntaga a écrit ça dans son livre s'appelait, qui est intitulé Al-Jawahir wa Durab. L'histoire existe, elle est réelle, elle est là-bas. Bon, j'ai quelques questions. Mon premier ami qui était Paul était le grand-fils lui-même de Elhadj Omar Tall qui s'appelle Elhadj Sekou Tall. Qui est venu de Bandiagara, Mali. Et avec lui, j'ai voyagé de Bandiagara et j'ai vu le Digambari aussi et les choses là-bas.
Et j'ai entendu beaucoup des histoires intéressantes sur le sujet des poules, mais ça fait maintenant 10 ans. Mm-hmm. Et elle est décédée maintenant. Mais après 10 ans, j'ai réfléchi beaucoup sur ce qui est arrivé, et sur mes conversations avec lui, et il me reste quelques questions, des choses que je ne comprends pas bien qu'il m'a dit. Par exemple, on me dit que si je peux revenir à la question de la point sur le bassin. Oui, oui. Si c'est important pour moi de savoir si le sens de ce point est comme la divinité. Oui, mais si aussi si c'est un coup qui est aussi un nom. Une coupe violent, comme la circoncision. Comme la circoncision. C'est-à-dire que quand on coupe quelque chose, est-ce que le bas ne symbolise pas une coupure? Un trait de union, c'est-à-dire quelque chose qui joindre les gens, mais aussi qui sépare. Et en même fois qui est mis par la violence. Ma batterie est morte. Si ça, c'est un des sens de le point sur le bas. Il demande est-ce que le bas peut signifier coupure comme en arabe al-qata ou al-wasl. J'ai essayé de lui expliquer que dans la langue arabe, il y a des mots qui peuvent avoir deux significations, trois significations différentes, comme aïn, ba, bayn. C'est ce qu'il parle, c'est concernant la jihad ou bien. Non, la signification de ba, c'est le point qui est en bas, de bas. Le symbolisme de ce point. Est-ce que ce point-là, ça peut signifier une aussi coupure, c'est-à-dire une coupure, un trait d'union, ou bien une coupure, les interprétations possibles de ce point-là seulement. Puisque lui, n'est-ce pas, en tout cas selon certaines histoires, quand il était allé en Arabie Saoudite, pour montrer aux autres qu'il était plus doué qu'eux, on lui a testé, on voulait le tester. Et dans ces tests-là, on lui a demandé d'expliquer la signification de toute la sourate. Il a dit non, ça c'est divisons ça. Ils ont pris ça jusqu'au Bismillah. Il a dit même le Bismillah, prenons le bas. Le bas, il nous a dit, alors moi je vais commencer par le point. Et le point là, il a passé temps pour expliciter le point. Pour montrer que le point seulement du bas mérite. Donc c'est ce qu'il va dire. Alors lui, il veut savoir sur les interprétations du bas, du point là, le point qui est en bas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres interprétations telles que un trait d'union, une continuation divine, ou bien une rupture, ou bien en tout cas, c'est ça son idée. Tu le dis à la même fois. C'est ça, ou bien les deux en même temps. C'est ça sa question. Oui, il doit avoir un mot de l'arbre, comme tu nous thèse, mon fond. Ko inna de andude surat o fof woni fatiha o fof hayto o forno ko wonko fono jangude hen wonko foti andude hen ko heewi e be ngari nde hande non e fodde wiyede mo yo dumin do fof fuddude kanko ko ba o beda wona manam tadire hakkunde yimbe e tago manam tagore Allah e Allah point gondo les tobere nde tobere wiitene bande hakkunde mayre e laamu o mbeɗo wona ko hunde taƴide ananide ma walla ko hunde continuation ɓeydotonde ewa ko hunde taƴide ma walla ko hunde ɓeydotonde so tawi kadi won gandal gongal woni e nder ɗum kanko ɗon koye question ngaji makko oɗon question tego luggo nanimana oɗon question ko luggo nanimana hafeere nanimana tafsirul huruf facciro ko suuɗi e nder karfeje ɗum ene jogui fannu mum à part
kala mo jangaade on fannu wawa jabtaade ɗin question ŋaji mana sirlulu har feere foof ene jogii sirlu ene jogii annoraji ene jogii manan ko ɓeydoto heen ene jogii ko ustoto heen ene jogii ko suuɗi heen ene jogii ko feeñi heen ɗum ɗon noon so tawi a jangani on fannu a wawa jabtaade heen ko selli ko ayo ni mana ni no min jangani ni mana sirul huruf ni mana sirul huruf ni mana fasiya ni mana jango ni mana faccio fasiya tan en bada e der fasiya tan fo dan dimgal gelo voilà exactement ko mo hali kon faccio be fasiya en bada hen ko en wona dimgal gelo dum ko andu ni mana ko sirru mudum ni mana il faut janga on sirru baba dum ganda dum ni baba Je vais expliquer ça. There is a science of the letters that is called tafsirul huruf. And there is a science of tafsirul Quran in general. But if you have not studied that specialty, that specialization of deciphering the content of the, you know, the letters, you can't. And it does not, because you have not studied that. He does not know many people who does. Maybe Sheikh Omar was the only one who knew. You know, I think that's very important. This is intellectual honesty. He's simply saying that he has not studied that special specialization of understanding the ilmul huruf, the knowledge. Le bas. La signification numérique, c'est deux. Alif, bas. La signification numérique, c'est 2. Le numérique value. C'est 2. Alors que ça peut être le début de la création de l'univers. Le début de la création de l'univers. Il y a Cheikh Ahmed Tidal qui disait Ba'un tasiru tanakulal. Il dit Ba'bi, si le yal tambalé, dit bind. Il tombe. Moi, je dirais Mouni. Bissiri Hazel Ba, c'est par le secret du bas, Dieu a commencé la création. Ah bon. Il y a toujours aussi antinomie. Quand il y a vie, il y a mort. Ça, c'est la vie. Il y a la mort. La gaieté, il y a toujours. Azwadi, Al-Quran toujours le fait un couple. Couple toujours deux. Ça touche ce qu'il disait. Tout ce qui. Comme Maya Lugo en Amnido. Maya Lugongo, en Amnido. Maya Lugongo en Amnido. Nanimano, a femme de son. Quoi en Amnido, Lugé du monde fossi. En Animano, Lugo en Abano, en Vaidu Japat. En Animano, Sababoud. En Animano, Jolie, en Tafsira, en Gouran, en Bindi. En Animano, Dendangal. Nani manam sirru dal quran fof nene fa nene dal fati il dit que c'est une grande mer. Votre question c'est trop vaste, c'est comme une mer, parce que il y a beaucoup de gens qui ont traduit le Coran, mais seulement le Fatiha. Quand tu voudrais traduire ça comme il le faut, tu auras beaucoup de différents d'interprétation. Quand on fait ça, ça peut donner plus, beaucoup de tonnes d'interprétation de la signification de la sourate Al-Fatiha. Tout simplement. Ce qu'on recherche dans la Fatiha, dans tout le Coran, se trouve dans le Fatiha. Okay. Tout le secret de la Fatiha encore se trouve dans ce point pour déterminer ce bas-là. Donc c'est le début. Très intéressant. Tout le Coran est résumé dans la Fatiha et toute l'importance mystique de la Fatiha est dans le bas. Donc le bas là, c'est le bas là est très intéressant. C'est le début et la fin. Il y a un sirou gondo. Il augmente une chose qu'on ne raconte que rarement. Effectivement. Parce que c'est des secrets. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle
Bismillah al-Azam. Bismillah al-Azam. C'est un grand nom de Dieu. Quelque chose de mystique. Mystique. C'est caché. Quand on demande au Tout-Puissant, il exauce les voeux. C'est ça. Ça se trouve dans ce point le bas. C'est-à-dire qu'il y a le saint nom de Dieu. C'est 99 noms de Dieu. Se résume à un seul nom. Le nom secret. Ce nom secret, ça se trouve dans le bas. Ah bon. Donc le bas. The mystical value, all the powers of the name of God is also summarized in that bar. The power of all the names. He says this is something that is not often told. I am doing it. Tu dis que même les sages, les sages, les mystiques, les sages, il y a un différent entre eux. Il y a quelque chose qu'ils cachent entre eux-mêmes. Effectivement. Pour ce point-là, c'est quelque chose de très petit, mais de très. C'est la capitale de la. Ce sont les cheveux de la Jumar. Oui, c'est à l'intérieur. Depuis le Sahara, ce sont nous, donc ce sont de la Jumar Nenderhen. Et je n'ai envie de n'en aider. Relation à la famille Gondo au Banjagara et relation à la famille Holto. Capital Capital Omarien, Holto Hit. Hol Jogibe, Khilafo, on a vu donner. Alors, Sénégal, Malokmali. I have heard that you know a Jew, hay kambe talbe wala mabbe be jeeta dum min manam sabu be jogibe dum be jabata hay go hebal il a dit que il y a quelque chose qui existe au Mali, ce sont des traces que El Hadjoumar a laissé, le bâton que vous devez ça existe, et les cheveux ce ne sont pas les cheveux de El Hadjoumar Foutiou. D'après l'histoire, c'est venu du tout le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ses cheveux. Est-ce que ces cheveux, les petits-fils de la Jumar ont réellement vu ces cheveux? Parce qu'il y avait un bon nombre qui encerclait la Jumar al-Foutiou. C'est eux qui détenaient ces cheveux. En ce qui concerne le khilafa, madame, ce qui est le chef de tous les descendants de la Jumar, lui, il avait nommé qu'un seul khalifa, c'était Ahmad, son fils. C'était son fils aîné, Ahmad. Ahmad, c'est goût. Nani manam kono or Cheikh Omar wallo khalifa dembangal nani manan konugo nani ko yewisuno e makko e gurdam mudum hitande fof be o wino ko yebbe kawri sego julde fof do be julanno nani manan kono ko gilande gilal on non gilande yeyi hay goto lomtaaki tan biya ko o woni khalifa Omar yeyi fof nani manan taw ko e kawragal nani manan heddi non ko worbe Allah ro ki gede nani manan ko be kaano ko joni khalifa general. Khalifa général, on a dit
nani dancha ko goldo nani mano dancha seeda rendi nani mano ko ala jisaydu no ala jisaydu no kanyino domkelal nani mano al rek dum ko rokkani ko heewi esu Cheikh Oumar ko on esino wiide en rendi dum esu Cheikh Oumar fo ha woni tamande wakere nani mano dum woni kenal makko ngalu jogi ngalu jogi no galdo nani mano dum don no so tay khalif kam wonde san ko do tan no rona wala ko tawra rona dum kam ala ni man ala do wonno ni man so wara de ni man gire de an ka fi ko ko be sari da man fonon ko khalifu galle bam il avait nommé comme seul khalifa c'était ahmed après la mort d'ahmed d'ailleurs ce qui était parti avec la jumar après la mort de la jumar ils avaient manam dit de venir auprès de Amadou pour faire leur prière, tout ce qu'il avait, les cérémonies religieuses à fêter. Mm-hmm. Après Amadou, il n'y a pas eu un autre khalifa. Mm-hmm. Seul Elhadj Seydou Routal, là encore, Elhadj Oumar n'est pas venu uniquement pour ce bon monde. Lui, c'est il travaille. Elhadj Seydou Routal avait travaillé, il avait quelque chose de très divine. Uh-huh. C'est pourquoi il a essayé de revenir. Les descendants de la Jumar pour être à ses côtés. Et il avait travaillé lui aussi. Mm-hmm. C'est tout simplement. Mm-hmm. Après lui, bon, lui, il ne voit pas un autre calife. Tout être vivant, tout un descendant de la Jumar est un calife, c'est lui. Donc il n'y a pas de capitale. Il n'y a pas de capitale. Mm-hmm. Donc des gens de Bamako pour dire que eux, ils sont la capitale. Mm-hmm. Et nous, au Sénégal, on peut dire chez aussi. Mm-hmm. C'est chez nous. Mm-hmm. Mm-hmm. Et donc c'est pas. Ça, c'est, donc chaque descendant est libre de répandre son message. C'est ça que vous avez vu. That's what you see and that's what you know. So mm-hmm. The people in Mali, that's what they see, that's what they know. What they see, the lock of their can be regarded as mm-hmm. Theirs. Mm-hmm. In Senegal, here, it's the same. So there's not one centralized organization as a khalifa. I think that makes more sense. Mm-hmm. So yeah, I think there's not a center. Mm-hmm. Bon, j'ai beaucoup plus de questions, mais je ne veux pas que Yann soit trop fatigué. Quand je suis allé à la mosquée, je posais des questions à Dakar. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas que je prenne des photos, mais j'ai dit, mais c'est que Thierno Amel Fof. Parce que je suis aussi un musulman. Et je suis un défenseur de tous les marabouts, là où il n'y a pas de musulmans. Mm-hmm. Il ne faut pas que je sache, je dois savoir. Voilà. Hein? Comme tu dois savoir si on pose des questions, pour que je puisse répondre. Hein? Et je pense que ça c'est important, il faut que la jeunesse, il faut que tout le monde sache. Parce que après tout c'est notre culture, après tout ce sont des gens qui sont nés ici, hein, que nous devons savoir. Ça c'est important, ça c'est important. Mais le livre qui vient de Tierno Moutalla. Mandé bëgguna sa man ko don laaj dañ son ben xarit mais amma ni ngi ci téré bu am solo do bam fa Ablaye Djibital kaskas Ablaye Djibital sa ya ci Dakar ñuy man naam Cheikh Madani Cheikh Madani Cheikh Madani sa naam ni mo no deftere de al jawahir wa dirar Le livre s'appelle Al-Jawahir wa Durar. Jawahir, c'est le père. Durar aussi, c'est le plurien de Dur. Durar, c'est la perle. Dans les pages précises sur la vie de Cheikh Oumar. Ça a été écrit par. Si vous avez des documents, est-ce que des documents écrits en Adjami?
Moi, lui, il s'intéresse sur El Hadj Omar. Moi, je m'intéresse sur El Hadj Omar, mais en particulier aussi, je m'intéresse sur le document Adjami. Vous voyez le document Adjami. Le document Adjami Poulard. Les documents qui sont écrits comme le Qasida en Poulard, qui a été écrit par Mohamed Ntcham, un des généraux de El Hadj Omar. Est-ce qu'il n'y a pas de document qu'il avait écrit, qu'il avait, que El Hadj Omar avait laissé là, ou bien que ses disciples ont écrit? Vous connaissez. Ça y est, Moussama, ça y est, le Salman Tchar Tidjani, Tidjani. Je pense que mon père. Ah bon? Il dit qu'il n'a pas ça. Okay. Ah, puisque le Djogi a fait Koto, que Windeo, que Mohamed Lamine Tchap, que Talibé El Hadj Omar, et que Adjami et Poula, le Djogi Seyl Mako, que professeur à l'université Michigan, au Windy Defter. Au Djeti, au Kaiton, au traduit au Kaiton et anglais. Et donc, il me fallait un an de si Adjami Poula, nos gars foutent. Elle va dire qu'il veut nous, elle va dire qu'il veut nous, quand on est comme Joga. Ah, d'accord. Elle va dire qu'on est en carte à sur, elle va dire d'être un des Arabes, le Djogi d'être un des Arabes qu'on a encore Mohamed Lamine. Mohamed Lamine Tcham, on vient de terminer. Quand on voit ça, on arabe. Si, si, ok. Ils ont traduit, ils ont retraduit ça en arabe. C'est le document, Adjami document, retranslated in Arabic. Parce que moi, ce qui m'aide, c'est l'authentique, le document authentique. Le document authentique est produit. L'objectif de ces documents-là, pour moi, c'est de montrer que nos aïeux étaient aussi des intellectuels très érudits dans leur langue. Ça, c'est important. Parce que l'éducation a été toujours considérée comme si tu n'es pas éduqué en arabe, ou bien tu n'es pas éduqué en français, tu n'es pas éduqué. Alors que ça, c'est pas vrai. Puisque les vieux étaient aussi éduqués, avaient compris le système de l'arabe et ils l'utilisaient pour écrire leur langue. Ils écrivent le Poulard avec l'arabe, ils écrivent le Wolof avec l'arabe, ils écrivent le Mandingue avec l'arabe. Gandelong Odok, Gandel. Vous comprenez? Gani won jangube e demgal mu won ha mbay wadde hunde taw enen itta dum do batta goddum no français wadiri ni e ko nandi hen gani no worbe ngandana hore ma jangube jom hakillaaje e be kolla be en kambe na be jogi pinal jogi civilisation ko dum do woni worbe defti fular ha kewi ni man en winda e fular ni man ko min kam yaala À l'avenir. Parce que nous, ce qui nous intéresserait, qui serait un grand projet, pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique sous-régionale, l'Afrique de l'Ouest, c'est de recueillir et de numériser tous les documents qui sont en train d'être gâtés là. Puisqu'avec le temps, de créer des conditions pour les familles qui ont ces documents-là, de garder les documents et de les numériser, de telle sorte qu'avec le temps, ça ne va pas se perdre. Et je pense que nous avons un projet comme ça, qu'on a commencé avec les Mourites et peut-être les Khadres de Casamance. À l'avenir, il serait bien. Donc j'ai posé cette question-là pour avoir une idée de ce qu'il y a dans la région. Et je pense qu'ici, serait une bonne place pour centraliser tout. Mais c'est un projet qu'on n'a pas encore ficelé et qui peut, en fonction de ce que nous pouvons voir. Et je pense que à l'avenir, ce serait bien, parce que s'il y a des documents qui sont vieux d'un siècle, il faut les conserver. Sinon, ça va disparaître. Et ça peut servir non seulement de moyens pour revaloriser toute la culture et aussi les enfants. L'héritage, de maintenir l'héritage, mais aussi de sorte que des générations et des générations, que les documents ne se gâtent pas. Et que dans chaque famille, si elles ont des documents, qu'ils créent une bibliothèque moderne,
et avec les conditions de maintenance que les chercheurs puissent exploiter pour une meilleure connaissance. Je pense que ça, c'est un projet sérieux et un projet peut-être à l'avenir qu'on pourra développer en fonction de, bien sûr, des réalités. Des réalités et des productions littéraires que nous avons. Si presque tout a été dit sur les raisons, hein. Tout. Ça regarde, c'est volumineux. C'est en arabe. Donc ça, c'est votre domaine. Ouais, ouais. Quand l'homme est arabe, on a considéré tout, il est dit jaune. C'est l'autre. On a rendez-vous avec Tcherno Habib. Rendez-vous avec Tcherno Habib le 24 ou le 25. Quand on y a au hôtel, le 27. On a rendez-vous avec un collègue à l'université, le professeur James. Nere Mako, on a contact avec Tcherno. On a eu un au professeur ou Yidi Ah oui, Ça c'est un professeur qui est à l'université et qui est son grand ami et qui connaît très bien El Hadj Omar Fall. Il a écrit un livre en français sur El Hadj Omar. Et ça, oui, ce livre-là, il faut le chercher. Moi, il m'a redonné. Vous avez des réponses. Il a écrit sur El Hadj Omar. Vous dites tout simplement, vous nous transmettre les salutations et une fois à l'université, on va essayer de Moi j'étais là. Si. Colloque international. Qui est bicentenaire aussi. Centenaire. C'est l'Institut des études africaines. 2001. Après, vous donnez ça à Arsène. Oui. Est-ce que 60. On va essayer 60. 76. On va essayer parce que. Le réseau. C'est un peu. 76. Moi, j'ai un autre numéro. Dire ma maison.
Tierno Ahmed Tall. Tierno Mahmoud Tall. Anwar. Mangok nena xaritam nga sapam nga ñongi ni nak fi lan la wowe dela wani dañ fi ñew di tay jiral di nga suñu jota bi ñu ñew ak safarna ghayatul ittifaq jeri nañ ci lol 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 waaw legi ñongi dem ñong ñu wax ni sax sey yoy jox ñongi tekk fi ci sama jarm dem nañu ziaré ñu baytul khalwa bi ak ap place bi mu juddo tok nañu dal ak domam bu tedd bi cheikh omar xamna ki bi contane de xamna mom koy sama kok suñu xarit deug la limay gestu yeb dama koy dem wan ka ni kay yow ya kelifa bi xolal ma su baxé baxna su baxul ma sangé sama xarit deug la sama xarit deug la okay sa andi dum ton sef ki joxnama di ah bon jonelo bi wa mais amna ben point sur bi nga joxal mako alassane alassane ko dia santé na wa mais ila écrit dans un livre sur l'allemand benen bi ah très bien. Alors vous voulez signer avec des questions, ça va, d'accord. OK. Donc vous signez avant que yobbo pour moi né ici au djogé. Ah d'accord, c'est très bien, ouais. Ah je suis curieuse sur le sujet de ce qu'on croit de Saint, l'importance de Saint. C'est-à-dire que si on est si on est Tijani, c'est important d'être Pula, ou est-ce qu'il y a beaucoup des autres gens qui peuvent être les gens qui suivent El Hadj Omar, ou c'est plus important qu'on soit tout couleur Pula? Oui. Est-ce qu'il faut être Pula pour être saint? Ou bien quelqu'un n'est qu'un cocodule et la jambe. C'est ce que tu veux dire? Non. Vous reformulez la question. Okay. Vous répétez. Bon. Ou bien vous faites ça en anglais. Okay. I'm curious about the question of blood. Views about blood. The importance of the inheritance that you receive, that's a matter of your blood inheritance. For instance, particularly is it the blood from your mother, is that important? Is that from where you inherit? Or you inherit from your mother or from your father? And does, if you are Mari and Tijani, a follower of Hadj Omar Tall, is it better if you are of a certain blood heritage, or does it make any difference? Okay, je vois. Donc sa question c'est de savoir si dans l'héritage de la famille, dans la famille ivoirienne, le sang maternel ou bien le sang paternel, qu'est-ce qui est plus important? C'est-à-dire que est-ce qu'on hérite en fonction de sa mère ou bien on hérite en fonction de son père? Oui, c'est-à-dire contre Bangal, Omar et Cheikh Omar, des affaires d'un gongol, contre Bangal, Bamako, Mavala, contre Bangal, Yumako. Et voilà, donc, comme on a montré. Contre de Cheikh Omar? Contre Bangal, Babira, de tout, de Nutabo, Mavala, contre Bangal, Yumira, de tout. En ce qui concerne l'islam, il y a deux formes. En ce qui concerne les biens qu'on a récupérés, les biens que vous avez, l'argent, l'or, tout ça, les moutons, les chevaux, tout ça là, c'est une forme. En ce qui concerne cette forme, c'est ceux qui sont les fils en âme.
ceux qui sortent directement de la Jumeirah Fouti qui vont prendre ces biens. Les gens qui ce sont ses descendants directement, c'est son sang. Du côté paternel ou maternel? Paternel, maternel. C'est l'héritage. L'héritage. Et nous, nous faisons un d'accord. Comme l'islam, tu es là, quoi. L'islam, non, nous nous couvrions encore, Roni Martaba, Roni Martaba, on le renie sur nous. En ce qui concerne l'islam, la divinité que madame, le secret que Dieu a donné à El Hadj Omar El Fouti pour hériter cela. Gundulu ko Allah tam lay man romnata joomu men wona mo jibi wona mo tani wona mo lay manam ko mo Allah ko gedal gal rokuno mo gal to watta gal foko ton tangal wona ça dépend du tout puissant. Il y a un exemple. El Hadj Omar El Fouti, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul qui a fait la jihad. Après lui, c'est qui? C'est El Hadj Omar El Fouti. Donc, il n'y a pas. S'il y a 100, c'est trop loin. Mais c'est lui qui a hérité cet acte religieux. En ce qui concerne El Hadj Omar, le secret que Dieu lui avait donné, ça dépend du tout puissant. Il faut choisir la personne et lui donner et confier ce secret. C'est lui qui va hériter. Il peut être son fils, son petit-fils, ou bien une autre personne que El Hadj Omar ne connaît même pas. Voilà. C'est tout simplement Dieu Tout-Puissant qui sait que s'il enlève ça, où il va, qui, où, quand il va donner ça. Il va commencer d'aller le gordo. Je te donne un exemple. Cheikh Tidiane. Dendangal ko omo ko golludire e tagore kanko Allah ko juude o rewata ni ma e on saa gonnodo e on martado wonno ko do makka do ciyaka e makka wona arabe ko deedel balee ummino ari holi do ni e on saa ko on wonno ubbu zaman fof dendangal ko Allah ene dogna ni ma na e windere de ko juude o rewata e wi re ko ma ani man Ahmadu Il nous raconte, il nous donne l'exemple de Cheikh Ahmad Tidiane. Quand il a quitté Fas pour aller à la Mecque, il a trouvé là-bas un sage. Il s'appelait Ahmad Hindi. Ce sage-là, c'est une personne qui se place entre le monde que nous sommes et Allah.
quand il a deux choses, il s'appelle Kourbou Zaman. Quand il y a une chose qui doit exister, ou bien c'est lui qui couvre tout le monde. C'est l'intermédiaire entre Dieu et la création. Et la création. Chaque temps, il y a une personne sur la terre qui détient ce poste. et c'est cette personne qui s'appelait Ahmed Hindi et qui avait ce secret. Cheikh Tidiane a quitté quitté Fas pour aller à la Mecque. Il a trouvé ce Ahmed Hindi qui l'attendait. Mm-hmm. Et ce Ahmed Hindi avait des talibés. Il avait un talibé qui est resté avec lui 20 ans. Mm-hmm. Mais le secret n'appartenait plus à son fils ni à son talibé. C'était destiné à Cheikh Ahmed Tidiane. Il a dit que ça, si c'était moi qui faisais, je l'aurais donné à mon fils. À mon fils. C'est un décret divin. C'est destiné à toi. Mais maintenant, je te confie mon fils. C'est comme ça. L'affaire de l'âge Mouroul Fouti, c'est l'exemple qu'il faut nous montrer. L'affaire de l'âge Mouroul Fouti, c'est une question de sang. C'est pas une chose qu'il dit qu'il hérite sang. Tu dois être comme lui. Non, il faut suivre lui. C'est là, c'est le décret de sa trace. Et encore avec l'ordre divin. Ça, c'est donc le sang est moins important. Moins important. Le sang est moins important que la décision divine et la prédestination. La prédestination et les capacités intellectuelles de la personne. Effectivement. Donc ça, c'est intéressant. Donc j'y ajoute un peu. Ahmed Hindi a donné à Cheikh Ahmed Tidiane. Ahmed Tidiane a donné à Cheikh Mohamed Ghali. Mohamed Ghali a donné à Cheikh Omar Fouti. Cheikh Omar Fouti a donné à Al-Fahim Yerwele, à Elhaj Malik, à la famille de Tiwawan. C'est là, la transmission spirituelle. De Tiwawan à... De la famille de Elhaj Omar et de Tiwawan jusqu'à Cheikh Ahmed Tidiane. Ça fait partie des conditions quand on te donne le virte de connaître la chaîne personne par personne jusqu'au prophète. Alors quand il était là, fille judo, au magé fille, fille djangé al-Quran, fille djangé al-Quran, au immiga, onto yahi, gira au immiga, yahi maka, au ari, après au immiga, yahi mali, c'est ça. Hein? Donc c'est à partir des talibés qu'il était là, qu'il a préparé, n'est-ce pas, son mouvement vers le Mali, c'est ça? Donc au Imiga, il a suivi le fleuve, c'est ça? Est-ce qu'il a suivi le fleuve jusqu'au Mali? Ou bien il a pris d'autres... Est-ce qu'il y a un peu de Kibouja à partir de là? Oui, il y a un peu de Kibouja. Mais il y a un peu de Kibouja qui était à la Mali, il y a un peu de Kibouja. Il y a un peu de Kibouja qui était à la Mali, il y a un peu de Kibouja qui était à la Mali. Il n'a pas fait directement Mali, il a passé par le Fouta Diallo. C'est là-bas qu'il a commencé. Il y a un ordre divin. Quand il a quitté ici, il est parti au Fouta Diallo. Il était parti avec certains Foutinqués de la sous-région. Quand ils sont partis jusqu'au Fouta Diallo, il est resté là-bas un bout de temps. Il y avait la date
il y avait l'heure, il y avait le nombre qu'il fallait pour faire la jihad. Tout ça, ça dépendait de l'ordre qu'on lui donnait pour entamer la guerre. Et c'est après tout, le tout réuni, qu'il a commencé la guerre par le foot de Jalon pour aller jusqu'au Mali. Avec quel nom? C'est pas. Quand ils sont venus ici, ils ont trouvé la maladie qu'on appelait le choléra, je ne sais pas, une peste comme ça. Ah, c'est pourquoi ils ont trouvé ici la mort. Et il est reparti pour faire la jihad avec les gens, le reste qui était là, de la région, les Foutankiers de cette région. Ils sont partis jusqu'au Foutejalon encore, deuxième fois au Foutejalon. Quand il est resté au Foutejalon, il a récupéré là-bas le nombre pour faire la jihad, qu'il fallait pour faire la jihad, avec ce nombre et la date encore. Donc ça veut dire que l'armée en tant que telle était plutôt constituée d'éléments de Fouta Diallo que d'éléments de Foutanké. Oui, Mato, armée Moko pour nous de Fouta Diallo et Foutankobe. Donc pour le Fouta, c'est pour le Fouta, hein? Fouta Diallo. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur le sujet de jihad? C'est quelque chose de le passé avec El Hadj Omar ou c'est encore quelque chose d'important pour les gens qui suivent El Hadj Omar aujourd'hui? C'est une bonne question. Si je comprends, c'est quelque chose de négatif ou de positif? Non. Est-ce que jihad, je connais que l'on a le monde de l'Utop et la Jumane, de continuer ou de passer dans le jihad? Ndax jihad bi jeexna ak élargement wala dañ koy continuer wi jodi waxone yi mbé jihad kay jé mbé den de wiri élargement ko affaire jihad wa joni ma wala ala dum yawri hankantino ko goddum dum kay yaw ci ene lolu la jihad elle est terminée, c'est fini la mission de jihad, c'est fini maintenant, c'est sous une autre forme pacifique. C'est ça, avec l'élargement de Chahmoud Bambé et autres, c'est une forme pacifique. Et l'autre forme, ça veut dire quoi? Hein? Et l'autre forme est quoi? L'autre forme maintenant? Oui. La connaissance. L'expansion de l'islam par la connaissance. Vous savez que. Vous savez que. Vous connaissez le vieux se prononcer sur ces questions. C'est lui le. Je pense que le vieux avait déjà répondu, si je comprends, parce qu'il vous a dit qu'il fallait une date. Il est parti à la Mecque, il a trouvé là-bas l'autre là, comment il s'appelait? Non, de Indi. Non, le talibé de Cheikh Amara Tijani, Abdul Qadir Jilani. Mohamedul Ghali. Hein? Il est retourné. Il a passé ici 40 et quelques jours. C'est 41 jours. 41 jours de prière, de retraite. Ça veut dire quelque chose. C'est une ordre. Il faut avoir un ordre pour faire la jihad. On ne se réveille pas un beau jour pour faire la jihad. C'est ce qu'il nous a expliqué, le vieux. Après, l'ordre, le temps et les moyens, on vous a confié ceci. C'est pourquoi nous,
ou bien les descendants de la Jumar, les talibés de la Jumar, c'est fini, la mission de la Jumar elle est terminée. Maintenant, ça reste une autre forme, c'est la forme de suivre ses traces. D'enseigner. Et d'enseigner le Coran et tout ça. Regardez, regardez sur son petit-fils, ce qu'il a écrit concernant le savoir, l'itinéraire de la Jumar. Maintenant, il reste maintenant la dissémination du savoir. Et donc, par l'enseignement coranique, la maîtrise de ses enseignements. Alors, l'autre question que moi j'ai, parce que moi j'en profite. Et pourquoi encore ça? Parce que ici, la sous-région, il restait ici des gens qui n'adhéraient pas à l'islam en ce temps. Des mécréants. Et il fallait la Jumar pour les convertir en islam. Et s'il reste d'autres personnes en Asie ou bien en Inde, peut-être il y aura une troisième personne. Ça peut arriver. comme les aux États-Unis. Comme je dis la mission. En tout cas, ce fallo-là, il n'est pas très fort. Hein? À la Jumar, moi je ne veux pas être comme là. En tout cas, là où vous êtes, faites un travail d'islamisation, de clarification. Kanko Kojambar. Ah, Fallo, Mianda, si Kojambar, voilà. Eh non, mais ça c'est très bien. C'est en tout cas, Minko Gandalon, mais Fali, quoi. Andrukol, exactement. Comme ça, si l'amnikam, le Wawi, Halde, exactement. Je pense que ça. Très important. Vraiment, on dira, c'est vraiment. On الله أن يطيل عمر الشيخ عمرا طويلا بصحة وعافية وكل ما يتعلق بالبركات ونستفيد من هذه البركات. He's praying for him that he may have a long life, that he can continue to tell stories about Omar Fatih. And also, I think je veux qu'on prie pour lui. Pour que Dieu ouvre aussi son cœur et puis lui montre plus et sa connaissance sur ce qu'il veut. Et parce que aussi, il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup de chercheurs qui ne s'intéressent pas à ce qui l'intéresse. Il a quitté son pays, il est venu uniquement pour ça. Il est venu uniquement pour 10 jours. 10 jours. Donc il faut qu'on prie pour lui aussi, nous voir pas le parce que Dieu exauce ses prières, que tout ce qu'il veut dans son cœur, que Yohal. Parce que Yen الناس الله تعالى أن يحقق هدفه فيما يتعلق بالتبيين في هذه الطريقة ويفتح له أبواب الخيرات والفتوحات والبركات إلى آخره وكلنا نستفيد من هذه الأدعية ونشكركم غاية الشكر بهذا الاستقبال استقبال حار استقبال المؤمن نحو المؤمن استقبال المسلم نحو المسلم ولذلك نشكركم هذا الشكر لهذا الاستقبال وندعو الله تعالى أن So he's basically repeating the same call for prayers for all of us, particularly you, who have come from far away for one purpose, and the purpose is here to know about Elhaj Omar. And that may he pray for all of us, so your heart and your mind and your wisdom continue to improve, and that you may reach your goal. So, okay. Shukran. Do you have other questions? Bon, la question de la circoncisme m'intéresse. Circoncision. Parce que entre les juifs et les chrétiens, il y a des croix, on croit les choses différentes. Et je sais que, bon, mon première question, est-ce que c'est possible d'être un Tijani, Marianne, sans être circoncisé? Oui. Et sinon, pourquoi pas? Si on peut un Tijani sans faire la circoncision. Oui, c'est possible. Si c'est possible. Oui. Oui, mais on ne doit pas avoir de Tijani qui est au Haddinaki. Haddinaki.
Ce qui est plus bon, c'est même si tu ne deviens pas musulman, la personne elle n'est pas tijani, qu'elle devient, elle veut tout simplement être un musulman. Tu dois faire ça. Qu'elle fasse la circoncision. Tu comprends? Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les chrétiens disent que ce n'est pas important. Les chrétiens disent? Oui, parce qu'ils disent qu'on peut être, on dit ce qui est important c'est le circoncisme de la cœur. Ça c'est plus important que la foi, que la circoncision physique. Est-ce qu'on ça, croit c'est... la même chose? Non, ça c'est question de propreté. Oui. Tu as compris? Déjà, pour être musulman, il faut être propre. C'est une question de propriété. Pour que vous fassiez de la faillite, vous avez des gens qui ont des gens qui ont des différences. Vous avez des gens qui ont des gens qui ont des gens. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est ko Allah wi en tay gitam eden bar kala ko harmi ko Allah wi en harmi tan eden goppa mais mo difference akunde ne mana julde am wona julde enen julde biidan kala ko Allah yamiri men yel bat yam ko bawden ko kala ko Allah haji men yen goppa fof ko dum woni ne mana din islam fo ciir kala ko Allah yamiri ma nani manam wadi her fadde no bawuda kala ko Allah hanma woppu fofu ko bawda e kawa ko e diin islam non ene wayno taw dina jogira subhanahu wa ta'ala wi inna manan inna diin inda Allah islam nani manan diin mo Allah konti ko diin tan ko diin islam goda la no gira to baba adam ha yetti do mais diin islam ko on tan Allah konti woni diin kala mo wona diin islam Allah kontani ko diin non différence hakkunde l'islam e ko wona l'islam ko rewde jabiroje Allah de fof goppa kadi Allah de fof kala ko Allah yamirno badira dum sabu ko Allah yamir kala ko Allah hadi badira dum sabu ko Allah hadi eyo nani manan sabu nani manan dendangal diineji golde dow leydi ene irrani annabi ibrahima wonde nani manan diine mudum o bu mujjide diineji fof gonde hen julde e mona julde fof wi diine ibrahima ko moƴƴo saabu goto waɗɓe fof wiyata ƴetti ko diine ibrahima nde wonno Allah settanima ibrahima wonde ko moƴƴo ko sehil mum nani kala ko Allah yamirnoma waɗi kala ko Allah hannoma o woppi annabi ibrahima noon ko kañum woni arwande kaddiɗo e diine l'islam te ko kañum haddino hoore mum nde annabi ibrahima annabi manano haddoto nde tawi ko mawɗo tawi ko woni yeehi ha woni annabi anani man tawi dañi duuɓi capannayyi walla ɓuuro ko nden o haddini hoore makko kanko haddini hoore makko ɗum ɗon noon so tawi neɗɗo fellisi nadde diine l'islam anani alay saago mbaɗa yamirorde Allah yamiri nde ayi maɗa ɗum ɗon tan woni nani poroɓe hakkunde kaddogol e l'islam walla wasde haddade idi que merci l'islam Dieu nous dit que ceci c'est bon, il faut l'appliquer. Ceci est mauvais, il faut le laisser tomber. Ne pas le faire. Ce qu'il faut faire, il faut savoir comment le faire. Il y a des chartes, il y a des leçons, il y a tout à apprendre. Mais nous tous, toutes les religions reconnaissent que Ibrahim était un prophète. Les catholiques, les chrétiens, les tout le monde reconnaît que Ibrahim c'était un ami de Dieu. On l'appelle le père. Toutes les religions. C'est le père du monothéisme. Maintenant, après ça, quand il a eu le droit, la prophétie. Le Tout-Puissant lui a recommandé de faire l'exécution. Il a fait l'exécution lui-même, en tant que prophète, pour pouvoir
porter le manteau. Maintenant, pour être musulman, il faut passer par l'exclusion, par la circoncision. Avant, même la tijania, c'est autre chose. Mais pour être musulman, il faut faire la circoncision. C'est quelque chose qui a été hérité depuis Abraham. Ibrahim alayhi salam. Les religions monothéistes partagent, c'est ça l'idée. Oui. Et donc vous, votre question, c'est pourquoi donc l'importance attribuée à cette circoncision au niveau de l'islam n'est pas la même importance attribuée au niveau du christianisme. Alors, il me semble que selon cette explication, pour eux, c'est directement vers tiré de l'héritage abrahamique. Abrahamique. Je comprends. C'est là où tu mais il m'a comme tu l'as. Il m'a dit, dit l'islam, quand nous venons bouter, tu l'auras, mais il n'a pas pour rater. Dit l'islam, venez, comme. Oui, bon, il m'a dit, 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 wadde lone en wadde gele jonnaade tan nay ko notan nay manan laabi di mbay e der diino o ko wona kany nani manan jogi diino o ala koli nyantoji diino o tam ko rabbi gona nay manan fondement diino o koli nyantoji diino o di gona fondement diino o koli chudaade diino tam ko di gona fondement diino e ko non be famir yo be famir hono non laabi di ko gari o sudde diino o wana arde wadde dini kesso wala futtade dini kesso. C'est-à-dire que la tijania est inclus dans l'islam. Madame l'islam, si la personne elle est là, elle doit avoir un habit, ses habits. Les habits, ça symbolise l'islam. Après les habits, maintenant tu peux partir, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux sortir de ta maison, de ta chambre et aller où tu veux. Maintenant, les bracelets, l'or, tout ça, la tijani, c'est pour embellir la personne. La tijani, elle est venue pour ça. Quand tu fais les cinq piliers de l'islam, après, tu prends ton chapelet pour faire ton zikr et tout ça, c'est embellir tout simplement, magnifier la foi, renforcer la foi. Mais elle n'est pas venue pour créer une autre religion. C'est pour renforcer la religion. Elle est inclue dans la religion musulmane. Et pas pour créer une autre religion. Mais ce sont la compréhension qui reste. Mais c'est tout simplement pour renforcer l'islam. C'est comme au bâtiment, il faut maintenir de temps en temps. Il faut de temps en temps amener un petit maçon. Et puis, rénover, embellir. Est-ce qu'on dit aussi que la famille de El-Hajj Omar Tah, de la famille de tous les Paul, vient de la Mecque ici, ou qu'est-ce qu'on dit? L'origine de Paul, c'est ça, l'origine de Harpla. Qu'est-ce qu'on croit? Est-ce que El-Hajj Omar lui-même a dit quelque chose sur ce sujet? Oui, réellement. Origine, madame Harpularien, Chofan Mabbe, ko Makka, Makatal Mukarram, ko tongon origine Mabbe. Bede, ko dum gonga, wiyama origine Elhaj Omar ko Makka, bede ko dum gonga holko halate dum. De defte tarikh en jooni e kan hala. L'histoire, il dit que l'histoire a beaucoup raconté sur ça. Tarikh non ni maano moni fo ana hewbe tarikh hala kala tarikh gol mum hewi ko nyamtu do dum ha yott ni do heddi be fu en général si tu es un historien tu
que tu prends de ton côté et tu enrichis de ta part pour bien magnifier la personne ou bien autre chose comme ça. On glorifie en quelque part ton côté et tu laisses l'autre part. Oui, il est très objectif. Oui, non, j'ai beaucoup de choses sur ce sujet, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on dit ici. Oui, on dit tout. Je comprends. Il vient. On dit que tout le Fouta vient de l'Arabie. Cham, c'est la Syrie. Ils nous viennent de la Syrie, quoi. Cham. Ils sont venus petit à petit. C'était des caravanes, il y a des gens qui sont restés au Sénégal, d'autres ont parti ailleurs, c'est comme ça. L'histoire nous raconte que les peuples, les peuls et les maures ont le même père. Ils avaient le même père, c'était deux hommes. L'un est venu ici, et il a épousé une femme, l'autre est parti là-bas. Les autres sont devenus des morts, les autres sont devenus des peuples. Donc les berbères, c'est ça. Les berbères et les halfoulards formaient une seule famille. Les poulards ont marié les serrères. C'est ça. Et après, donc, ils sont restés de l'autre côté. Et donc, les berbères sont restés à l'autre côté du fleuve, et les autres sont restés, les poulards sont restés de ce côté-là, ils sont intermariés avec les serrés. Ce qui crée la relation de paternité, de relation d'amitié entre les serrés et les poulards. Le cal, quoi, c'est ça? C'est comme ça que les poulards sont venus. En ce qui concerne le peul, c'était la langue, à le lieu, ce n'était pas ça. Ou bien autre chose comme ça, c'était la langue tout simplement, tu parles poulard, tu peul. Tu parlais le poulard depuis là-bas en Arabie à Cham. En Syrie, ils parlaient le poulard. Ils sont venus avec leur langue. C'est comme ça qu'ils sont vus dans l'histoire. Il y a toujours un essai, il y a des hypothèses. Et il ajoute que seul Dieu sait. Il y a Charles Antonio qui a dit aussi qu'il vient de l'Égypte. Pourtant, il y a toujours des hypothèses. Vous dites que moi, ce que j'apprécie dans nos discussions, c'est son honnêteté intellectuelle. C'est ça que j'apprécie. Il y a l'analyse. أقول هذا الوجه هذا الوجه هذا الوجه وأنا أدافع هذا
الآخرون أتركوا الحق لله وحده ولكن هناك بعض الاتجاهات. Do you understand my point? The point that I made was that in his discussions I noticed two things. Whenever there is a controversy, he gives two sides, the two sides, and he tells you that only God knows. In the case of the origin of the Pula, of the Fulani, he says he gave the two options. One is the Syrian origin, and one is the mixture between the people here, the Syrians, and the creates the. And then he says, only after all, that's what the story said, Tariq said, only God knows. See, I think that's very fair. I think that's. Bon, peut-être on peut continuer avec le même, sur le même train de questions. Mm-hmm. Quand j'ai traduit un livre qui était écrit par Elhaj Sekutal, il me dit que, à son avis, qu'il y a trois peuples en Afrique qui sont qu'il croit que étaient les blancs, mm-hmm. c'est-à-dire les Arabes, les Touaregs et les Peuls. Bon, je me demande si ici on croit la même chose que le Peuls sont surtout les blancs. Les Peuls appartiennent à la race blanche. Pardon? Les Peuls appartiennent à la race blanche. Oui, c'est ce que Tal a dit. C'est ce que Tal a dit. Il a dit dans l'article que j'ai traduit. Mm-hmm. Il dit que les Peuls appartiennent aux Blancs. Oui, et si c'est vrai, mm-hmm. quand je suis venu ici, on me dit que les Blancs ne peuvent pas entrer dans la maison où Tal était né. Mm-hmm. Oh, mais d'accord. C'était le grand-fils lui-même qui a écrit que les Peuls étaient blancs. Bon, ça me confuse un peu. L'explication, je pense que c'est l'appartenance à la même religion, l'islam. C'est-à-dire qu'il y a certains lieux, on ne peut pas y entrer, ne peut y accéder que le musulman. Celui qui dit à Shodanda, il est mort. C'est comme à la Mecque. Voilà, voilà. Il pose une question. Parce que quand il était on lui a dit au Mali, il est entré dans des lieux qui étaient aussi saints que ces lieux-là. Il a été entré dans des mosquées et il a vu le bâton. Et c'est ça l'idée, non? Oui, je vous posais que ça soit objectif. C'est bon. Je viens poser le. Hein? Et donc pourquoi? Et pourquoi il vient ici? Il ne peut pas le faire, ça c'est non. Non, mais la question plus importante que ça, c'est la question de Tal qui a cru qu'il a écrit que lui-même est blanc. À cause de son origine est blanche, que son origine n'est pas noire. Il est blanche comme les Arabes et comme les Touaregs, c'est ce qu'il a dit. Ça c'est intéressant. Alors, peut-être on va adresser cette question d'abord, après on va adresser l'autre question, l'origine raciale. Selon Tal, donc selon lui, Tal croit qu'il n'est pas d'origine noire, négro, c'est-à-dire négro-africaine, mais d'origine blanche, arabe ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc cette première question. Oui, d'origine de Mali. Et dans le détail du Cheikh Tal Movino, il y a un niveau de vie au Kambé, pour la reine, en Umbi, koy arabebe ewo ender room o windi hen iswar ko heewi ewo bede on alhadi en wodi ma walla wodani ewo don taw on ki so la race de l'origine raciale on bede ko ton yalta ma walla ala est ce que donc vous en tout cas les bede do ne vous pensez que vous êtes d'origine arabe ou d'origine noire comme o wi ma walla koy balé jox ko balé tay yalti ma walla ala koy arabebe yalti ko hol no. Je vais vous dire une question.
question tarikh tarikh non min goddina yaki hen feewi min ma kon fon ko hala te ko e tarikh min ma kam koy arbe ya ko hen jaltu de min haltu la hen jaltu koy arbe min ma no sababu min ma kongol gol be etti dem gal fular be bi ko e zamanu annabi ibrahim nde o resi nde jom suudu makko biyeteɗo Hajara de min mana o itti ɗum to Iraq itti Hajar to Iraq saabu kiram hakkude makko e jom suudu makko min mana gadanoo biyeteɗo Sarasa Sarasa alandi ko ɓiba makko o resi ɗum joni noon min mana ɓe leeɗi ɓe dañjaani min mana caggal ɗum to ɓe umminoo Iraq aɓe peri aɓe tawi Sham anani manano ari ha e nder galɗo hedde misra ko ɗon o tawi laaɓɗo gooto teeti jom suudu makko biyeteɗo Saraso nden o teeti jom suudu o noon laamɗo tawinnoɗo o jom suudu o anani yiɗi yettade jom suudu o ronki ani saabu bawɗe Allah heedi hakkude mabɓe caggal ɗum nden laamɗo o manon huuli tuuli anani mana ruttima itti welnori debbo o korɗo muɗum ene wiye Hajara Hajara noon nani manon ndeɓe nde o yehi kanko Saraso o itti manon Hajara o totti ɗum Allah Ibrahima yo wat ɗum taara wono ko korgo o waɗi ɗum taara nani manon ene wayno nden woni taara noon min woni reedu ha jibini min mana Ismail nden jibini Ismail noon kiram rewɓe o dañi o dañani walla kiram rewɓe wonduɓe nani mana donki wawde wondude nani mana ceewo o ñaagui yo ittu kolɗo o o nawa ɗum ɓe mbasa yiidude hadde mana ɓerɗe ƴettude ɗum ɓe kaɓa walla o wara ɗum walla wara ɓimi nani mana ɗum waɗi ɗum woni sababu annabi Ibrahima ƴetti Hajara nawi ɗum addi ɗum ɗo makka ɗo eyo nden addi ɗum ɗo makka ɗo noon wottu ɗum tan koye nder ladde jerende nde wono ko yemirore Allah mbimo tan wanmo ɗo anani mana ko ɗon anani mana no ronnimo nani mana nden makka ko ladde jerende min mana suudu ala guuro ala haydara ala ko ladde jeerende toon nde hoɗaka woppi ɗon Hajara nden woppi ɗon Hajara Hajara nden woppi ɗon Hajara e ɓiyumɓi so Ismail kamɓe tan ɓiɗum nani mana joni noon nani mana leñol ene wiye jurhum nani mana ko fulɓe aynaɓe nani mana peri toon gaari noon ha e nokku he nani mana nden gaari ha e nokku he ko yiilosinoɓe durgol tawi ɗon ne waɗi durgol nani mana kono noon ndiyam ala nani mana ɓe gaari ɓe tawi Hajara Allah waɗanta ɗum nani mana teppe annabi Ismaila juuli ɗon sewde zamzam nde nde juuli ɗon zamzam o noon hankkadi o dañi ndiyam ɓe gaari jii ndiyam ɗam jii ladde nde ene soñci jiiɗi hoddude ɗon e makko nani mana ko ni nani mana woni cincugol makka no ardi e nder cincugol makka ngol noon anani mana wiyama ko ɗon ɗemgal pular yalti ɗemgal pular yalti ko ɗum ndiyam ɗam fuccittuno en yaaha omo waɗani omo suuru ndiyam ɗom wiya jam 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 e ɗum andi inde zamzam nde nani mana wiyama ko ɗon ɗemgal pular yalti ɗum ɗon no waɗi wiyeede nani mana ɗemgal arab ngal parce que noon ɗemgal pular yalti koye arab arabeɓe eyi koye jurhum en leñol biyetegol jurhum e arabeɓe ko ɓen koye ɓen ngal pular ngal ɗuɗi feeñ jurhum en ɓe umminoo ko jurhum en umminoo ko yamal ɓe sitti umminoo ko yamaɓɓe trem dare jurngol e raconte l' histoire de avant tout de Ibrahim il dit que après tout avant tout d'abord l' histoire nous dit que les peuples d'ici ils sont sortis des Arabes et avant ça on nous raconte de l'histoire d'Ibrahim. Ibrahim avait une femme qui s'appelait Sarah. Sarah c'était une elle était devenue vieille. Il avait certains problèmes en Cham. Ils sont partis vers Misra. Quand ils sont venus au Misra avec le pharaon, il y avait Misra c'est Égypte, il y avait un pharaon là-bas. Le pharaon c'est comme tu dis ici, le président de la République. Le pharaon qui était là-bas, il avait voulu juger madame faire l'adultère avec la femme d'Ibrahim Sarah.
mais avec les secrets divins, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Toujours, il y avait un obstacle entre eux. Quand il a reconnu que cette personne, il y a quelque chose qui existe en elle, qu'il est venu lui demander d'où il vient, pourquoi il est là. Il l'a expliqué qu'il a en charge, qu'il est avec en charge, il est en dehors de la ville. On a fait amener Ibrahim. Quand Ibrahim est venu, on leur a donné une fille comme récompense. C'est Hajar. Quand ils sont partis pour retourner vers pour aller vers Cham. Quand ils sont venus à Cham, c'est là que Sarah lui a dit, a ordonné à son mari d'épouser Hajar. En ce temps, il a eu avec Hajar un enfant qui s'appelait Ismaïl. Avec l'ordre divin et avec les querelles, la jalousie entre les deux femmes, Dieu lui a ordonné d'amener Hajar et son fils à Mecque, en Arabie Saoudite, où vous voyez la Kaaba, où elle se trouve maintenant. C'est là qu'il avait mis Hajar et son fils. Avec le zamzam que les gens amènent là-bas, c'est sorti des pieds d'Ismaïl. Il y a une autre caravane qui passait, il s'appelait les Bani Jurhum. Les Bani Jurhum, quand ils passaient, ce sont des Arabisans. Ils passaient avec leur troupeau et tout ça. Ils ont trouvé un pâturage, c'est bien, ils peuvent rester, mais il n'y avait pas d'eau. Et l'eau qui sortait des pieds d'Ismaïl, c'est avec cette eau qu'ils ont pu rester. C'est l'origine. L'origine du poulard. Ismaïl était poulard. Ismaïl, on a poulard. On a poulard au nom. Mais maintenant, quand même, on dit qu'au minimum, quand tu n'as pas eu le canal sur l'Irak, ça va être l'Irak. Mais maintenant, quand même, quand même, quand même, C'est là-bas la naissance du poulard. Il dit que c'est là-bas. C'est très intéressant. C'est là-bas la naissance du poulard. Le poulard, c'est le mélange. C'est un mélange. Le mélange entre arabe et l'autre est égyptien. Non, pas arabe, c'est égyptien. Égyptien, c'est ça. Égypte. Égypte, c'est ça. Et il y a une version qui dit que Hajar, c'était un peul. Le peul vient de l'Égypte. Ah bon. Quand ils sont passés, ces Égyptiens, ils parlaient poula. Hajar est venu avec sa langue poula. C'est l'autre version dit ça. Il y a chance de dire que je pense cette thèse. D'où il y a des poulards qui disent que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est sorti d'un choc entre les Arabes. Ou bien la race. Parce que Ismaïl, c'est le descendant. Ah, c'est très intéressant. Et aussi, on dit que, bon, on trouve dans le Coran les sons, pas les sons qui sont plus vieux que le Coran même, c'est-à-dire les sons de voix. Et on dit qu'ils viennent d'Égypte, n'est-ce pas? C'est-à-dire de peut-être je me demande si les peuples sont égyptiens comme les fils de Hajar, si on dit aussi que le sang vient d'Égypte aussi. Le sang vient d'Égypte. Le sang
let me see if I can say. There are sounds. Il a l'écrit et l'oral. Le texte et le Coran récité. Maintenant, est-ce que la parole, le Coran récité, est plus importante que C'est ça la question. And the sounds themselves are Egyptian. The sound. The Egyptians taught the sounds. Egyptians taught the sound of the Quran. Yeah. Can you rephrase the question? Bon, il y a des sons qui viennent de la voix. Bon, et on trouve que dans le Coran, on trouve les sons, mais les sons sont plus vieux que le Coran lui-même. Okay. Donc, il y a des sons qui sont dans le Coran, et donc ça c'est l'oral, l'oralité et l'écrit. Il y a des sons qui sont dans le Coran qui sont plus anciens que l'écriture. Mais c'est normal, parce que l'oral est plus ancien que l'écrit. Non, je lui dis que, du moment que le Coran... Ça a été récité d'abord. Non, relate l'histoire des prophètes antérieurs. Ce que les prophètes antérieurs disaient, ça peut exister dans le Coran. Okay. C'est plus ancien que... Et donc lui, donc sa question c'est, est-ce qu'il n'y a pas la même chose dans l'Égypte, c'est ça? Qui était ancien et qui se trouve dans le Coran, c'est ça l'idée? That there are things in Tijani Islam, the Omar Tal, that are pre-Islamic, that are Egyptian, Vous avez compris? Vous avez compris? Like especially conjuration. Si, je comprends. Quand on conjure. Je comprends. I understand now. Je comprends. C'est-à-dire que, est-ce que dans les pratiques des communautés religieuses, puisque il y a comme votre origine va jusqu'en Égypte. Hein? Vous aviez des traditions pré-islamiques avant d'être islamisé. Est-ce qu'il n'y a pas de ces mêmes pratiques qui continuent maintenant, comme par exemple la conjuration? Quand vous faites quelque chose de mauvais, on vous jette un mauvais sort ou bien on vous punit. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques antérieures qui continuent jusqu'à présent? C'est ça l'idée. Comme par exemple... Nous savons que si vous venez brûler une mosquée, par exemple, vous pouvez punir cette personne qui l'a fait. Il y a des techniques à le faire. On utilise certains versets ou bien on utilise certains, etc. etc. et on mélange ça avec les pratiques antérieures. En Casamance, en tout cas, là d'où je suis, moi je suis de Casamance, si vous allez au Fouladou, par exemple, vous connaissez le corté. Vous connaissez le corté? Ça, c'est une pratique pré-islamique. Vous comprenez la question. Donc sa question c'est parce que votre origine. Est-ce qu'il y a une origine qui n'est pas préhistorique? C'est ça. J'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris. Il n'y a pas une origine. Oui, de la vraie faute de origine, calado. Dit que l'islam, son affaire, c'est trop profond. L'islam ari ko habde e gede bonde badde senade e aduna tay hawrani e wilwe Allah ko dum l'islam ari habade. L'islam ça signifie avant tout la paix. C'est venu pour combattre ce qui existait dans la vie et qui ne correspond pas à la à la à manam à
à la volonté divine avec ce que Dieu voulait lui-même. Je n'en de l'islam à l'habat d'un gêné. Je n'en ai pas de diable. Je n'en ai pas de diable. L'islam a dit qu'on a dit qu'il y a des gens. Il y a des gens qui ont compris que l'islam est venu pour nous purifier tous. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient pour suivre la religion musulmane. Il y a des gens qui sont restés et qui pratiquent jusqu'à maintenant, bien vrai qu'ils sont adhérents. Ils ont la foi islamique, mais ils continuent de faire ce qu'ils faisaient bien avant. Content d'Islam pour nous. Non, il dit que ces gens-là ils ne savent même pas ce que signifie l'islam. Non, ça ne pas l'islam, mais il dit que ces gens-là, jusqu'à maintenant, ils pratiquent ce qu'ils pratiquaient. Ce qui existait bien avant l'islam, ça existe jusqu'à présent. Si vous êtes un homme qui a un bonheur, à l'au-delà, vous allez tout jeter ce qui n'est pas bon et pour suivre la bonne foi. Ça m'amène à la question de la sorcellerie. Il vous donne un exemple. Il dit qu'il y avait un prophète qui s'appelait Uzayru. On m'a dit que je me rends en comme le bâle à Hattandini. Le bâle à Hel de Dolly Winjit à Roule, voilà, vous allez dans le monde. Kouaï, l'imam Yimbebe. Quand il faut avoir notre voix de jour, il faut avoir un an qui est fait. L'imam a quand il faut avoir un bon de water. Il faut avoir un bon de water. Il dit qu'il y avait un prophète qui s'appelait Uzayru. Il avait posé une question à Allah. Il lui demandait, il dit que pourquoi vous le tout puissant. La capacité, la puissance de faire tout ce que vous voulez. Pourquoi vous n'avez pas fait tous les gens des musulmans? Ils deviennent tous des croyants, ils pratiquent la même religion, il n'y a pas de mauvaises choses dans la vie ni à l'au-delà. Vous avez vu le Congo, le Congo, Je lui a répondu, il faut se repentir parce que vous avez péché. Vous avez parlé une phrase ou bien un mot que vous ne deviez pas parler. Ça, c'est un péché pour vous. Si vous avez dit que 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 Je suis droit. Adil, madame, c'est une personne. Juste quoi? Si je fais ceci, ça ne correspond pas à mon histoire, à ce que j'avais écrit bien avant ça. Si vous me parlez de vie, j'avais bien dit avant que j'ai créé deux choses, l'enfer et le paradis. Et j'en ferai plein. Si nous tous nous devions des croyants et on pratique de bonnes choses, qui vont partir à l'enfer? Il faut que l'enfer soit rempli aussi comme le paradis, c'est ça, il faut qu'il y ait des éléments. Il faut qu'il y ait des croyants à l'islam et d'autres ceux qui ne croient pas à l'islam.
puisque le paradis et l'enfer sont créés. Il faut qu'il y ait des habitants. Il n'y a que des bons qui vont en enfer. Alors j'ai une autre question qui touche aussi la question de est-ce que nous avons des traditions pré-coloniales, pré-islamiques qui continuent. Par exemple, l'hiérarchisation sociale. Nous avons dans nos sociétés les Torodo, les Gueul, les Tchoubalo, etc. C'est les Wolof, nous avons les Griots, les Nyenyo, etc. Alors est-ce que ça, c'est venu avec l'islam ou bien c'est venu à de l'Égypte avant, vous comprenez? Il dit que le griot, ça n'existe pas. Tu parles Allah. Le griot n'existe pas. Donc, l'hierarchisation doesn't exist based on the history, at least on the account, the tarikh. Il explique. Bailo Allah, chaque Allah. Les forgerons, les cordonniers, et ça n'existe pas. Ce sont des emplois. Addi derge de sam. So manam gore adre en jidi wurdi Allah sa ko pato no gurdi. Quand on est dans une société, il faut s'organiser pour pouvoir vivre, pour fonctionner. Ceux-ci, ce sont des pêcheurs. D'autres sont des forgerons, ils nous donnent des outils. Des autres sont des cordonniers, ils donnent des chaussures. D'autres, ce sont des, je ne sais pas comment les dire, ceux qui fabriquent les canaries et tout ça. C'est une organisation de la société pour qu'on vit avec, pour bien fonctionner, chacun à son emploi. Quand on a besoin d'une chose, on va voir chez un type, le spécialiste de cette. Mais quand même, en cette question, l'islam, ça joue aussi. Pourquoi le fait d'avoir un esclave, ça existe. Le reste, peut-être, on nie ça. Mais l'esclavage, ça a existé bien avant Mohammed. Mais ça a continué à exister. Parce que vous savez, Bilal, c'était un esclave. Hein? Prophète. Il est resté prophète. Sa descendance, c'est sa descendance. Il dit que l'esclavage a deux façons. Quand on tombe, il dit l'origine de l'esclavage, c'est être adhérent à l'islam ou ne pas l'être. Bien avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il y a une bataille, on se bat. Celui qui remporte la bataille, c'est lui qui va te punir, il peut te punir, il te prend comme un esclave. Maintenant, l'esclavage qui est venu entre, il faut être un musulman.
tu refuses d'être un musulman, il te prend et il te punit. C'est comme ça que l'esclavage est puni. C'est ça qu'on a écrit dans les chartes de l'islam. C'est la forme reconnue par Dieu. Par Dieu. De l'esclavage. De l'esclavage. Ça veut dire que toutes les autres formes d'esclavage ne sont pas reconnues. Ne sont pas reconnues. Oui, car je suis un ardal venu, on va avoir un amateur, des hens goudjens, des amateurs. Il y a des personnes qu'on a volées comme ça, on les a fait des esclaves. Oui, à Mauritanie ici. On a vendu comme ça, juste après. Maintenant, mais en forme islam. C'est comme ça qu'on lui a raconté. Ces esclaves existent. Maintenant, la descendance se continue. Parce que c'est ça le grand problème. L'Oural Mangalwadi est Kadwara. Il y a un grand différent en ce thème. Au Nigeria. Au Nigeria. Au Nigeria. Au Nigeria. Ah, c'est vrai. On va tous prier. Ils doivent être la base de toute histoire. Ils doivent être bon. Je pense que ça, c'est important pour une meilleure connaissance de notre culture, de nos héros, des gens qui ont marqué notre histoire. Ça, c'est important. Donc, je vous en remercie. Et aussi, en tant que collègue, je le félicite. Puisqu'il est dans une université, Odo, université Omowoniton, Amérique, qu'a jeté 6 heures de vol avion à New York. Jeté 6 heures de vol à la Haga. C'est 12 heures de temps à jeté avion à la Sénégal. Il est à côté de l'océan Pacifique. Ton et l'océan Atlantique, que 6 heures de vol. Ça en dit à Seattle, au nord de Seattle. Il y a une ville qui s'appelle Bellingham, Cotonou, Menjanginay, Menjangini ensemble pendant 6 ans. Quand Cotonou, on est ligoudé et Gandal Afrique. À part moi, c'est lui. Lui seul. Lui seul, dans toute l'université. Dans toute l'université, c'est le seul. Bellingham. Bellingham. À part Birmingham. Birmingham et tout. Bellingham. B-E-2-L. A-I-N-G-H-A-M. L'université à la frontière avec le Canada. Donc, ils ne connaissent pas l'Afrique. L'Afrique, on a intéressé Mabé. Non, non, non. Tant que Chine, que Japon, parce que c'est pas loin de la Chine et du Japon, c'est ça. Est-ce que... Et quand on tourne, on y tourne, et Djogi intérêt en Afrique, et intérêt Makoko à la Djobar. Et Makoko à la Djobar. Est-ce que... Donc, Guilamia y tourne, oui, comme on dit qu'au Sénégal, oui, comme en tout cas, ça a été du temps, mais ça a été Sénégal, mais Araï pour Yahoudé, Fouda, parce que nous fallait, mais Andy Mali, mais Yahi Mali, mais Andy Bajagara, etc., mais Andy Fof, Koro, Yahan Tao, Koro et Alwa, lui, moi aussi, Allah Djabi, Araï, lui, moi en tout cas, mais j'ai eu Bourse Fulbright, coopération américano-sénégalaise, mais alors Sénégal pendant un an. Si j'ai eu le temps, alors, j'ai eu le temps, 10 jours, 10 jours j'ai eu. Oui, voilà. J'ai eu le temps, j'ai eu le Dakar, j'ai eu le Dakar, j'ai eu le temps, j'ai eu le temps. Est-ce que au hôtel, 27. Donc c'est du 17 au 27, comme ça. Donc vraiment, je veux aussi que Paye Nyaralko, que Dieu prie pour lui, que il a de bonnes idées, il a de bonnes intentions. C'est de bonnes intentions qu'il a. De très bonnes intentions. Et je pense que Dieu l'aide à ce que sa mission. Il a une grande famille. Il a une grande famille là-bas. Il est bien installé là-bas. Que Dieu comprenne qu'on fasse des prières pour lui, et sa famille. Peut-être à l'avenir, ses enfants vont venir ici. C'est une occasion en or. Je suis très content.
Je lui ai dit, bama amé bac. Il faut expliquer ça en français pour que lui s'il puisse comprendre aussi. Moi j'ai dit cette opportunité là, c'est moi qui ai gagné le plus. Parce que d'une part, je suis Tidjane. J'ai pris les Wirds depuis 1980, parce que j'ai eu mon bac. Mon père m'a donné les Wirds. Quand j'allais au département d'arabe de l'université de Dakar pour apprendre l'arabe. Donc j'ai pris les Wirds très jeune. J'ai eu une ijaza, donné les Wirds. Je suis venu me ressourcer dans ma lignée spirituelle. Parce que demain, il y a Cheikh Omar Foutu. Dans ma chaîne de transmission, il y a forcément Cheikh Omar Foutu. Cheikh Omar Foutu qui a donné à Alpha Meir Ouellet, Alpha Meir Al-Hajj Malik, à Mohamed Mansour, son fils. Mohamed Mansour a donné à mon père m'a donné les Wirds. Donc c'est ça ma, la chaîne spirituelle jusqu'à Cheikh Ahmed Tidjane. Donc j'y gagne doublement sur le plan spirituel et sur le plan connaissance. Parce qu'on en a profité. Tout le monde en a profité. Tout le monde. Vraiment, avec lui-même. Ça a été une mère. On s'est bien abreuvé. On s'est bien abreuvé à cette source, à cette source pure de la Tidjane. Donc nous vous remercions, vous, Fallou, qui m'a offert cette opportunité. Moi je n'ai rien fait, moi j'ai eu la chance de venir. Il vous remercie beaucoup, il vous salue et il vous remercie. On va retourner là où on avait commencé. On vous avait dit, soyez les bienvenus dans le nom de l'islam. Avoir la volonté de quitter les États-Unis d'Amérique pour venir jusqu'ici, c'est vraiment l'amour au Saint-Homme, El Hadj Omar Foutu, qui vous a amené ici. Celui qui aime Cheikh Omar Foutu, c'est l'islam que vraiment qui est dans ton cœur. Et vous avez dit soyez les bienvenus dans le nom de l'islam tout entier. Et vous avez dit d'être les bienvenus dans le nom de l'amitié qui existe entre vous, l'amour, les relations, c'est-à-dire vous êtes tous des êtres humains. Tout ce que vous, madame, recherchiez, ça se trouve dans ces mots-là, ces phrases qu'il raconte. Il dit que vraiment, ils reconnaissent que vous avez un amour très, 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 très foncé sur El Hadj Omar, quitter les États-Unis pour venir jusqu'ici. C'est vraiment beaucoup, une grande volonté. Beaucoup d'argent. Il sait. C'est une grande volonté. En un mot, il prie que le Tout-Puissant nous bénisse. C'est lui qui détient le tout, qui a tout, et qu'il nous bénisse. Vous savez ce qui se trouve dans votre vos projets et tout, dans votre foi, ce que vous voulez, votre avenir et tout ça, il prie pour vous que Dieu exauce les vœux. Merci beaucoup. Il sait que pour vous, c'est ce que vous voulez, vos projets, c'est pour vous, mais il sait très bien que les projets, s'ils se réalisent, c'est, madame, c'est le fruit, c'est pour tous, c'est pour tout le monde.
Eux aussi, ils remercient les gens qui viennent au nom de la Jumrul Futiyu pour avoir certaines informations. Ils sont très 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 contents pour ce nom. C'est une grande chose pour eux de venir recueillir ici un certain savoir sur El Hadj Omar. Ça leur vraiment fait une grande chose. C'est une grande source aussi pour eux. C'est un moyen pour eux aussi d'avoir quelques informations, parce qu'avec le contact et tout, ça leur améliore un peu. Il vous remercie vous aussi. Tout le bonheur que vous avez, ils ont le triple ou bien 12 ans. 5 fois plus parce que vous êtes venu pour les aider tout simplement. Chaque année, chaque semaine, toujours, ça c'est périodique, toujours les gens viennent pour faire des recherches sur El Hadj Omar. Mais c'est la première fois qu'il y ait une personne, un historien comme ça, avec les questions que vous lui avez posées. Il n'a jamais eu ce genre de questions. Effectivement, il a dit qu'il n'a jamais eu ce genre de questions. C'est des questions qui reflètent la personne. Merci beaucoup. Parce que la personne, quand elle parle au nom de son savoir. De sa culture. Tout ce que tu dis, ça reflète ce qui est dans ton esprit, ton savoir. C'est pourquoi Sayyidina Ali, vous savez Sayyidina Ali, c'est le petit frère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui avait épousé Fatima, la fille du prophète. La vraie descendance du prophète vient de Aliou. Il dit que c'est lui qui racontait, il disait que il faut parler. Un homme, il doit parler. C'est par ses paroles qu'on va le savoir, qu'on doit le reconnaître. il faut parler. La personne, elle est sous son esprit. C'est avec son esprit qu'on va la connaître très bien. Ils sont très 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 contents et ils vous reconnaissent, vous apprécient beaucoup. Merci beaucoup. Et si je peux dire, je suis très content. C'est un jour que je ne vais jamais oublier. C'est un jour qui va rester avec moi. Et quand je reviens chez moi, je vais réfléchir beaucoup. Je vais étudier les mots qu'on a dit ici avec beaucoup de soin. Et après, je vais revenir. Et je vais revenir avec plus de questions. Inch'Allah. Inch'Allah, كما أشار إليه الأخ الأمريكي كريس إنه يقول إن هذه الأمسية أمسية خالدة لا ينساه أبدا في حياته ولذلك وأنا أيضا نفتخر وأنا أيضا إن شاء الله بهذا الكلام
نعم نعم ونشكركم غاية باسم الشيخ نعم Yes, so, yes. So, okay. Wait, wait. Okay. You want to take a picture with him? Yes. We'll finally get to the photo journal. We'll go with the plastic. Okay. Okay.